Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 5 tops des applications Android de cette semaine. Les détails juste après la pause. La première application, c'est PhotoZip. C'est une application qui permet de compresser les photos. Alors, on va y accéder. Là, vous avez donc vos répertoires, caméra, WhatsApp, Instagram, Android, Launcher et ainsi de suite. Là où sont, bien sûr, stockées vos photos, vous pouvez choisir votre répertoire, tel que par exemple les caméras. Je vais prendre une photo, prendre celle-là par exemple, et on a ici donc possibilité de compresser cette photo. Donc cette photo, elle pèse 3,03 mégabytes. On va la compresser. Terminé. Maintenant, comme vous remarquez, la photo ne pèse que 64 kilobytes. Donc elle était poids a tellement réduit. Pour, si vous avez des photos que vous souhaitez envoyer à quelqu'un d'autre, de préférence, il faut les compresser pour faciliter leur envoi. Ici, on a donc les paramètres. Dans les paramètres, on a écrasement d'image par défaut. On a renommé l'image, donc vous pouvez renommer l'image. Zip tout ensemble. Donc, redimensionner l'image par taille. Vous pouvez aussi redimensionner donc la taille. Pour cela, donc, il faut activer. Taille des fichiers après la compression 1024, garder dimension originale, réduire l'image dimension by side, image dimension en pixels et ainsi de suite. Donc plusieurs fonctionnalités sont disponibles dans cette application qui permet bien sûr de redimensionner une image et de la compresser afin de réduire son poids. Notre deuxième application, c'est un navigateur des VIA. Il est très léger, très rapide et ce qui est important, il consomme moins de données. Donc on va chercher par exemple arbre et vous allez remarquer donc la vitesse de recherche. Voilà, donc très rapide, très léger et consomme moins de données. Je vous conseille donc d'avoir ce navigateur sur votre appareil Android. Vous ne le regretterez jamais. Troisièmement, l'application Hermit, c'est un navigateur lui aussi, mais il est très utile et très pratique parce qu'il vous permet tout simplement de créer vos propres applications Lite. Alors, si votre téléphone n'est pas très performant ou si vous souhaitez tout simplement accélérer ou rendre votre appareil très rapide, il faut utiliser bien sûr les applications Lite, les applications qui ne pèsent pas beaucoup. Alors pour cela, on va donc application Lite tout prix, donc créer la vôtre. Ici vous avez donc les plus populaires. Ici donc c'est le groupe des applications sociales, là c'est le groupe des news, le groupe de technologie, le groupe de shopping, de voyage et ainsi de suite. Donc vous pouvez créer l'application Lite de Facebook, de Messenger, de la Reddit et ainsi de suite. Donc il suffit de cliquer et l'application donc Lite, voilà Facebook, l'application Lite est installée en 2,2 secondes. Donc très rapide, mais il faut donc supprimer ou désinstaller l'application normale que vous avez sur votre appareil pour que l'application Lite fonctionne correctement. Quatrièmement, l'application Duskysage. Cette application permet de trouver facilement les répertoires et les fichiers qui prennent beaucoup de place sur la carte mémoire. Vous pouvez donc l'utiliser pour la carte mémoire et aussi pour la carte mémoire des téléphones. Mais pour cette dernière, elle nécessite le root. On va donc essayer avec la carte de téléphone puisque je possède le root. Donc il faut cliquer ici, attendre le chargement. Et voilà, j'ai ici donc le stockage frais, donc le stockage libre sur ma carte mémoire de téléphone, c'est 3,65 Go. Et vous avez ici tous les dossiers, donc service par exemple Google Play Store. Voilà ce qu'il occupe, voilà les applications en relation avec celui-là. Donc les apps, voilà combien il occupe, le système data, voilà combien il occupe, les médias, voilà qu'est-ce qu'il occupe, 1,14 Go, donc les médias, c'est l'audio, les vidéos et les photos.
Donc vous avez ici tous les répertoires et les fichiers avec leur poids. Ainsi, vous pouvez donc, après examen et analyse, supprimer les fichiers qui occupent beaucoup de place sur votre carte mémoire de téléphone afin de le rendre plus performant. La cinquième et dernière application, c'est Doc for Druid. Cette application donc va vous permettre de créer un doc sur l'écran d'accueil de votre téléphone afin d'accéder rapidement à des applications. Alors, premièrement, il faut donc la paramétrer. Donc, on a ici position droite. Donc, vous pouvez la positionner là, voilà, soit à droite, soit à gauche. Position de la zone, c'est à 12%. Donc, vous pouvez toujours augmenter. Voilà, quand on augmente, ça occupe plus d'espace. Largeur de la zone, 22. Donc, on peut augmenter. Comportement, donc le launcher, afficher le launcher, donc les raccourcis, les contacts. Vous pouvez donc ajouter aussi des contacts à votre doc. Décalage et donc taille de l'écran 28 pixels, on peut l'augmenter. Mais voilà, donc qu'est-ce que ça va nous donner? Donc une fois ici, donc quand je clique, voilà le doc, notre doc. À partir de là, donc vous pouvez choisir l'application à et là, par exemple, je vais entrer à l'appareil, voilà, à partir des docs. Mais vous pouvez tout le temps ajouter d'autres applications au doc, mais le nombre, par exemple, est limité. Là, le nombre d'applications à mettre ajouter au doc est limité pour la version gratuite, puisqu'il y a, bien sûr, une version payante qui va vous permettre plus de fonctionnalités. Les liens de toutes ces applications, vous les trouverez dans la description en bas de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine fois.